Être enceinte, ça peut être l'un des moments les plus magiques de la vie d'une femme. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Betty. Elle va dire à son petit copain qu'il va être papa. C'est tellement excitant. Tout est prêt. Je me demande comment il va réagir. Espérons que tout va bien se passer. Bonjour mon amour. Comment ça va? T'es très belle. Salut Justin. Ça va, merci. Il se passe quoi? On fête quelque chose? Ouais, et pas n'importe quoi. C'est génial. Qu'est-ce que c'est? Allez, dis-moi. Me fais pas attendre. Bah, je sais pas comment tu vas le prendre, mais j'ai une surprise pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Ouais, vas-y, ouvre s'il te plaît. Comme c'est intriguant. Voyons voir. Allez, j'espère que ça va te plaire. Attends, quoi? Une tétine? Je comprends pas. Betty? Est-ce que c'est ce que je pense? Oh, j'arrive pas à y croire, mon amour. On va avoir un bébé? Je suis trop content. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. J'ai trop hâte. On va bientôt être trois. Annie, en revanche, est plutôt confuse. Les dîners romantiques, c'est pas son truc. J'espère quand même que ça va bien se passer. Hé Annie, tu fais quoi ici? Regarde la nouvelle vidéo. Ça va te plaire, tu crois? Bon, voyons voir. Oh, t'es trop belle! Et la scène est vraiment géniale! Bravo! C'est quoi ça? Je suis enceinte? C'est une blague ou quoi? Oh non, dis-moi que c'est pas vrai! Je t'en supplie, Annie! Malheureusement, Thomas, c'est vrai, tu vas être papa! Non, 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 c'est pas possible! C'est juste pas possible! Annie, je suis pas prêt! Je suis pas prêt! Quel genre de père je vais être? Ouais, je m'attendais à quelque chose du genre. Oh, je suis désolée, ma chérie! T'inquiète pas, ça va aller! C'est juste si soudain! J'ai pas pu contrôler mes émotions! Ouais, ouais, j'ai vu ça, Thomas! Il est temps de voir le bébé! Betty attendait ce moment! Allonge-toi ici! Tout est prêt! Ici? Oh là là, j'ai trop hâte! Ça va super bien aller! Le bébé a l'air parfait! Tu peux le voir ici? Oh, je suis trop heureuse! Je suis super contente que tout aille bien! Oh, il est tellement petit! Comme il est chou! Et voilà une photo pour toi! C'est pas trop cool? Merci beaucoup! Je suis vraiment trop contente! Annie a aussi une échographie aujourd'hui. Oh, on peut faire ça vite? Le bébé me rend dingue! Ouais, ouais, bien sûr! Comme tu voudras! Waouh, quel bébé actif! Il bouge les bras! C'est pas incroyable? On voit pas ça tous les jours! Vraiment? Ouais, c'est cool! On voit tout de suite que c'est mon enfant. Ok, je vais y aller. Mais attends, t'as oublié la photo? C'est pour moi? Oh, merci. Pour ce gaspillage de papier, bien sûr. Bon, j'imagine qu'on peut oublier la nouvelle voiture. C'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que le bébé soit heureux. Il aura tout ce qu'il y a de mieux. Une poussette, une table allongée, des biberons. C'est tellement génial que j'ai économisé tout cet argent. Bon alors, où est mon argent? Viens voir maman. Ah, c'est génial. C'est l'heure d'aller faire du shopping. Peut-être que je prendrai aussi quelque chose pour le petit. Oh, la nourriture pour bébé. Je me demande comment ça marche. C'est l'heure de s'entraîner. Oh, c'est tellement compliqué. Oh là là, c'est trop chaud, ça va pas le faire. Je sais, il me faut un thermomètre. Voyons voir. Voilà. Maintenant, faut que ça refroidisse. Un peu de formule. Je crois que ça suffit. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, génial. Maintenant, c'est exactement à 75 degrés. Remplis-le. Secoue bien. Encore un peu. Ça me paraît pas mal. Je crois que c'est bon. Je suis trop géniale. Alors, comment on fait cette formule? C'est sérieux, là? Comment il va manger ça? Je vais faire à mon bébé le repas le plus délicieux de tous les temps. Oups. J'en ai mis un peu partout. Bon, c'est pas grave, personne m'a vu. Je remplis. Je me demande comment font les barman. Le défi du biberon. Ah, génial! J'y arrive encore. Encore un peu d'entraînement et je me débrouillerai à merveille. C'est quoi la température? Oups, je crois que c'est trop froid. Je vais y goûter. Berk, c'est dégueu! Ça se mange au moins? C'est bon, on va arranger ça tout de suite. Les enfants ont besoin de viande. Des saucisses, ça fera l'affaire. Maintenant, on parle. Pourquoi pas ajouter des petits pois? Les légumineuses, c'est super sain. Délicieux! Mon petit gars va adorer manger ça. Un peu de sauce?
C'est tout simplement parfait! N'est-ce pas, hein? Je secoue un peu. Maman a fait un délicieux biberon. Tu veux goûter? Ah, je vois que t'as l'air d'aimer. Tu peux encore faire de l'exercice quand t'es enceinte. Mais tu dois faire quelques ajustements pour protéger le bébé. Pas de mouvements brusques, par exemple. Et si on tentait de prendre un poids? Oh non, c'est trop lourd! Le yoga, ce sera sûrement beaucoup plus facile. Voilà le tapis! Génial! Comment on fait déjà? La méditation, c'est un excellent anti-stress. C'est exactement ce qu'il faut pendant la grossesse. Ah, ça fait un bail que j'ai pas manipulé de raquette. Ok, prêt pour le match? Voyons qui va gagner. Je suis en pleine forme. C'est que le début, Annie. Tu cherches à te venger? Je vais te montrer ce que les femmes enceintes peuvent faire. Allez, sois pas timide. Annie a remporté cette manche. Qu'est-ce que je t'ai dit? Maintenant, tu vas avoir une surprise. Tu t'y attendais pas, hein? Tu vas voir, je vais te dégommer. Allez, qu'est-ce que t'attends? Oh, waouh! Elle est douée! Ok, c'est parti! Prends ça! Je suis invincible! Hey, c'est pas juste! Tu t'es fait battre par une femme enceinte? C'est qui la meilleure joueuse de ping-pong? Et Annie remporte cette manche aussi! C'est pas juste! Elle a tapé dans la balle avec son ventre! C'est de la triche! Oh, j'arrive pas à y croire! J'ai remporté le prix! C'est dingue! Mon enfant va être trop fier! L'enfant va bientôt naître. C'est l'heure de lui donner un nom. Voyons ce qu'on a là. Oh là là, il y a tellement de noms. Je sais pas quoi choisir. Non, ça, c'est pas trop à mon goût. Mais ce prénom me plaît beaucoup. Maverick, c'est trop beau. Voilà, je sais, ce sera ce prénom-là. Oh zut, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je trouve un prénom pour le bébé. Ils disent quoi sur internet à ce sujet-là? Ça n'a aucun sens. Il y a trop de choix. Et tout est naze. Mais ouais, je sais quoi faire. Les tatouages avec les noms de mes ex. J'ai déjà une sacrée liste de noms. Le choix est vaste. Bon, pas lui, lui non plus. Et celui-là, Harry. Voilà, ce sera celui-là. Mon petit Harry. Comme Harry Potter. C'est cool, non? Il est temps de préparer le berceau du bébé. Je pense que là, c'est l'endroit parfait. Oh là là, j'adore! Et avec un si beau auvent. En plus, il m'a pas coûté cher. Mon bébé sera tellement heureux ici. Ah tchoum! C'est ce que je disais. Oh non, des germes! Pas encore! Ah, c'est mieux. C'est trop chou! Et dire que Thomas avait dit qu'on n'avait pas besoin d'un caddie? C'est comme un berceau. Suffit d'ajouter un oreiller et une couverture, et le tour est joué. Il y a des roues et de l'espace. Et j'ai pas eu à gaspiller d'argent. C'est bon, c'est l'heure de faire une pause. Oh super cette vidéo! Comment ils l'ont trouvé là? T'inquiète pas bébé, tu t'ennuieras pas avec maman. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Bonjour, voici votre commande. Oh génial! Merci beaucoup. Juste à temps. Bonne journée. Tout ça c'est pour le bébé. J'ai trop hâte de voir ça. Oh là là, c'est trop chou! C'est tellement beau! Je vais le mettre dans la nouvelle commode. Des fringues neuves pour le bébé? Pas question! Il y a longtemps que je veux me débarrasser de ce t-shirt. Allez, c'est parti! Bon bah, ça a l'air pas mal! Je peux le découper. Ouh, le résultat est trop sympa! Le gamin va adorer! Elle doit juste ajuster un peu les bords. Et ce débardeur fera un super pantalon. De toute façon, j'ai jamais aimé. C'est bon! Joli pantalon! Ah, il est tout simplement adorable! Maman est vraiment géniale! La grossesse, c'est un moment de détente. Mais faut quand même travailler. Betty traverse une période difficile. Oh, quelque chose est tombé. Je vais le ramasser. Je peux t'aider? T'inquiète pas, ça va le faire. Elle a un ventre tellement énorme. Comment elle arrive à faire tout ça? T'as raison, notre patronne arrive à tout gérer toute seule. C'est même dur à dire qu'elle est enceinte. Bonjour, voici votre commande. Tu m'as apporté quoi? J'ai pas commandé ça. Oh, pardonne-moi, je sais pas où j'avais la tête. Laisse-moi arranger ça. Oups. Oui, oui, bien sûr. Prends ton temps. Je suis désolée, ce sera prêt dans une minute. Voilà ton café. Oh, merci. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Ah, mais c'est génial. Hey, madame, combien de temps je vais attendre? Oui, je t'écoute. Oh, waouh.
Je vais prendre ça, s'il te plaît. Je vais prendre ça aussi. Mm-hmm. Oui, d'accord, je note. T'es pas pressé, hein? Non, non, je vais attendre le temps qu'il faudra. J'ai mal au ventre. Mm-hmm. Pourquoi pas aller chercher ta commande toi-même? Pas de problème, reste assise, je m'en occupe. Oh, merci. Je peux prendre une gorgée? Bien sûr. Prends tout, ça me dérange pas. Merci beaucoup. Mm-hmm. Bon appétit. Jeune fille, je peux avoir l'addition? Moi aussi, bien sûr. C'est 19 pour toi et 20 pour toi. Juste une seconde. Tiens, s'il te plaît, prends tout. Prends mon argent aussi, jeune fille. T'en auras besoin. Mm-hmm. Oh, merci. T'aurais pas dû. Mm-hmm. C'est trop gentil. Apparemment, ça paye d'être enceinte. Tu as pensé quoi de ces deux futures mamans totalement différentes? Selon toi, quel est le type le plus courant qu'on rencontre dans la vraie vie? Comment est ta maman? Dis-nous tout dans tes commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer d'autres sketchs amusants de Troum Troum.